Plus de 700 bacheliers ont passé le concours d'admission au Bachelor International Program in Management de Rabat Business School, un programme visant à former de futurs managers capables d'évoluer dans le contexte d'une économie mondialisée. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Hein. C'est la deuxième session du concours d'entrée au programme Bachelor IPM, International Program in Management. Sur la session d'aujourd'hui, qui est la session post-bac, nous sommes en train d'accueillir un peu plus de 700 étudiants, candidats, pas encore étudiants. Et sur les deux sessions, celle de juin et celle de juillet, on a à peu près 1500 candidats qui appliquent pour intégrer l'IPM. Nous avons ouvert cette année 530 places. Et évidemment, d'année en année, l'affluence est de plus en plus importante. Aujourd'hui, nous avons reçu plus de 700 candidats pour ce concours qui se constitue de deux épreuves. Alors, une première épreuve de raisonnement logique et numérique en une heure et une deuxième épreuve de culture générale. L'objectif en fait, de ce concours, c'est de tester leur habilité à être des étudiants en école de commerce. Et on est ravis aujourd'hui d'avoir atteint le niveau de notoriété qui nous permet d'avoir un nombre de candidats aussi extraordinaire. On reçoit également leurs parents pour les informer sur l'ensemble des problématiques qui les concernent directement, les bourses, le financement, l'hébergement et des choses comme ça, les frais de scolarité. Il s'agit de la deuxième session du concours d'accès à la licence International Program in Management, à laquelle quelques 800 lauréats candidats s'étaient déjà présentés lors de la précédente session de juin pour sélectionner un total de 530 étudiants. Je suis bachelier, diplômé de la filière sciences physiques. Je suis venu aujourd'hui pour assister et passer l'examen d'admission pour le concours de management, programme international. Je suis passionné et fasciné par ce domaine et j'espère poursuivre mon chemin dans la filière d'économie appliquée et finance. Créé en 2010, Rabat Business School propose une large gamme de programmes répondant à toutes les cibles, tels que les bacheliers ou diplômés des universités et à la demande et besoins concrets du marché de l'emploi.